Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade photo. Et aujourd'hui, dans cette balade photo, on va à nouveau aller faire du portrait. À la différence des dernières balades photo portrait, aujourd'hui je ne serai pas accompagné du 105 mm 1.4 de chez Sigma, car j'ai dû le rendre, mais je vais plutôt utiliser ce 70-200 2.8 Sport de chez Sigma que j'ai déjà depuis... Donc oui, que je possède depuis bientôt un an et demi. Bon, par rapport au 105 mm 1.4, cet objet va être plus sombre et va également avoir un flou d'arrière-plan un peu moins présent. Cependant, ce 70-200, grâce à son zoom, va me permettre de varier plus sur mes angles qu'avec le 105 mm 1.4. Autre point qu'il possède que le 105 mm 1.4 n'a pas, c'est sa stabilisation d'image qui, là en l'occurrence, ne va pas être utile, mais qui peut s'avérer très pratique en conditions de basse lumière. Un autre petit point qui fait que je le trouve intéressant en portrait, ce 70-200, c'est sa compression des plans. En gros, plus on va venir zoomer, plus notre arrière-plan va être proche de notre sujet, et plus le sujet sera du coup détaché de son arrière-plan. Ce qui nous permet qu'à seulement 2.8 à 200 mm, ce 70-200 peut rivaliser avec le 105 mm 1.4 sur des photos portraits. Bon, fini de parler, je vous laisse tout de suite avec la balade photo sous la pluie que j'ai réalisée du coup avec ce 70-200, accompagné de Clotilde. Tu vas te mettre... T'avancer un peu, genre 3-4 mètres. Ouais, ici. Tu peux regarder par là-bas, merci. Ok. Maintenant, je vais te demander de regarder dans l'objet. Tu vas regarder dans l'objectif, s'il te plaît. Avec un smile. Merci. Comme tout à l'heure au milieu, genre hop, tic tic tic, à ce niveau-là. Méthode profil. Voilà, comme ça. Nickel. Il permet quand même d'être super smooth cet objet. Comme tout à l'heure, mais mets-toi plus à ce niveau-là. Pareil de biais de profil. Parce qu'en fait, de profil, t'es plus naturel que de face. Parce que de face, t'es en mode un peu photo de classe. Alors que de profil, bah, t'es en plus en mode. Puis lance un petit regard au-dessus de ton épaule en mode. Bon ça. Dans le bureau. Ou au-dessus de ton épaule. Tu peux regarder au-dessus de ton épaule. Avec des pierres et sans sac de poubelle en bas. Et tu vas pas bouger, tu restes là, d'abord. T'évites juste de te coincer le visage, c'est pas pratique. Ah ouais, les mains dans les poches, ça j'aime bien. Bon ben voilà, c'était une bonne sortie. Ah, ça y est. C'est terminé, c'est pas grave. Ils sont à fond les gamins. Hop là. Comme vous l'avez vu, malheureusement, j'avais qu'une seule batterie dans mon boîtier. J'avais oublié d'emmener ma deuxième batterie et mon boîtier s'est tout simplement éteint pendant le shooting. Donc bon, bah, on a fait avec. Il n'y a pas énormément de photos, mais les quelques photos qu'on a pu en sortir, je les trouve plutôt intéressantes. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine balade photo. Allez, ciao, ciao.